Seigneur, l'amour de Dieu la Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Éminence Cardinal Sean, brother priest, sisters and brothers in Christ, what a joy and honor to welcome the shepherd of the flock in the Archdiocese of Boston. Welcome, Cardinal Sean. Bienvenue. Our two communities, St. Matthew's and St. Angela's, are so glad to welcome you in the context of the annual Catholic Appeal. We are people who pray, but also people who commit themselves to supporting the efforts of the Church in many ways. We are willing to cooperate and to participate in all initiatives and activities of the Archdiocese. We want to be attentive to your call and move forward with you, Your Eminence. This is our Church. Welcome again. May the Lord bless you and keep you. Bienvenue à vous tous. Bonne célébration, bonne participation. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais à la vie éternelle. Amen.
Fais que les événements de mon Seigneur se déroulent dans la paix, selon tes desseins. Et que ton corps connaisse la joie de servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vive et règne avec toi, le siècle des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, le chapitre 27, du verset 4 à 7. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du portier. On juge l'homme en faisant parler. C'est le fruit qui manifeste les qualités de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fait pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdure pour annoncer. Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu.
Mettons-nous debout pour l'acclamation de l'Évangile. Aveugle. Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est à ton œil, à toi, tu ne le remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur les ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Célébrer cette Eucharistie le dimanche de 4 capitres. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Luc a groupé dans ses discours de Jésus des sentences courtes sur l'attitude des vrais disciples. Dimanche dernier, nous attendions le commandement de l'amour des ennemis. Aujourd'hui, il s'agit de nos comportements entre frères à l'intérieur de la communauté. Dans l'Évangile, Jésus adresse trois paraboles qui nous rejoignent dans nos comportements quotidiens.
La première est celle de l'aveugle qui prétend guider un autre aveugle. Il va plutôt se conduire mutuellement dans les trous. Dans le passage parallèle à l'évangile de Saint Matthieu, cette remarque était destinée à mettre en garde contre les pharisiens qui prétendaient guider les autres et qui étaient aveugles sur le grand événement de Jésus, porte-parole de Dieu Père. Mais ici, dans l'évangile de Saint-Luc, les paroles de Jésus sur les guides aveugles peuvent s'appliquer à nous tous, car chacun dans un domaine ou autre, nous avons cette responsabilité de guider une famille, une paroisse, une entreprise, une équipe, une association. Et Jésus nous dit que nous sommes passablement aveugles et que nous avons besoin de sa lumière, de ses œuvres, pour bien nous conduire. Il nous dit, ne prenez pas notre être humain comme un maître, quelqu'un qui est passablement aveugle comme vous. Mais prenez-moi plutôt comme votre guide. Celui qui peut bien former votre cœur tel que Dieu veut qu'il soit. Celui qui peut bien éclairer votre route. La deuxième parabole est celle de la paille et la poutre. Cette parabole est devenue légendaire. Nous sommes tous tentés à dire, comme c'est bien vrai, en pensant aux autres. Mais précisément, Jésus nous demande de nous mettre en cause nous-mêmes avant de changer la société. Il faut changer soi-même. On est frappé de constater une fois de plus que Jésus a peu prendre les réformes destructeurs qui risquent de ne rien changer du tout si le cœur ne change pas. Et l'Évangile elle-même doit se réformer sans cesse avant de prétendre changer le monde. Et chaque chrétien n'est jamais fini de se convertir lui-même avant de convertir les autres. Au lieu de condamner, au lieu de proclamer des anathèmes, au lieu de passer son temps à critiquer, Jésus nous invite modestement à chercher tous ensemble à nous émerveiller, en commençant pour soi-même. Enfin, la troisième parabole rejoint une des images de la première lecture, celle de l'arbre qu'on juge à ses fruits. Jésus nous rappelle que quelqu'un dont le corps est bon, pose en général produit des arbres bons, alors que celui dont le corps est mauvais produit plutôt des arbres mauvais. Jamais un bon arbre ne donne des mauvais fruits. Jamais de plus un arbre mauvais ne donne des bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On se cueille pas de figues sur la épine, on n'y vendage pas non plus de raisins sur le ranch. Jésus est un réaliste. Et c'est aux arbres réels qu'on juge l'homme, comme un arbre à ses fruits et non à ses belles intentions ou déclarations. L'homme moderne se caractérise comme soucieux de l'efficacité, Jésus aussi. Mais il insiste pour l'extérieur correspondre à l'intérieur. Et c'est donc à ses actes qu'on reconnaît le vrai disciple. Travaillons donc avec l'aide de Jésus, orner notre cœur de bons et bons. De beaux et bons sentiments,
Nos paroles et tout notre agir, notre environnement même, s'en ressentiront. Que Jésus habite vraiment notre cœur. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous croyons. Today, in all of our parishes, we're talking about the annual appeal. In the annual appeal, it's an opportunity for us, as Jesus' disciples, to show forth our fruit, a fruit of love and service. In the Gospel, Jesus, at the very end, gives us what he calls the new commandment, Nouveau commandement. Love one another the way that I love you. Now, the love that we have for each other as members of Jesus' family is a sign to the world that we are truly his disciples. That is the fruit that will identify the tree, and the tree is the body of Christ. And so when Jesus says, love one another the way that I love you, we have to ask ourselves, how does Jesus love us? The scriptures say Jesus loves us first, while we're still in sin. He doesn't wait for us to love him and then he loves us in return, or to do something good and then he reciprocates. He loves us when we're still sinful and indifferent. And he wants us to learn how to love first. To love first, to forgive first, and not to wait for others to be good to us. We build community by loving first. Jesus loves to the point of giving up his life for us. He says, by this will all know you are my disciples, if you have love one for another. And there's no greater love than to give up your life for your friends. Jesus loves to the very end. And this is the way he wants us to love one another in the church. Asking for money is not a favorite activity of any priest or bishop. But I find inspiration in the letters of St. Paul. Because when you read the letters of St. Paul and read the Acts of the Apostles, we see how much time St. Paul spent in taking up a collection. He's always talking about a collection. And that collection was money that he was raising as he went around the Mediterranean world establishing new churches, asking these new Christians to donate to help the Christians back in the Holy Land who were suffering persecution and were in terrible want. But St. Paul, I think, really had two intentions in the collection he was taking up. First of all, he wanted to address a very real need that the people in the Holy Land were suffering. But the other part of the collection was to help people to realize that we are all one. These people he was baptizing in all these countries as he traveled on his missionary journeys were Gentiles. And they were coming into the church. A lot of the Jewish people who had become Christians had a certain suspicion of these new Christians. And it was St. Paul's way of showing everyone that we are all one and binding the church together, that we're all responsible for each other. And in the Catholic Church, we're over 1 billion people.
We come in every size, shape, color, speaking every language imaginable, but we are all Jesus' family, and we all are responsible for one another. The truth is, we are here to take care of one another. And we have to take care of each other physically and spiritually. And if we don't do that, the patient will die. But we who have been called to be Jesus' disciples in his family have a special calling to serve and care for one another, to perform the works of mercy, and to pass on the faith to new generations. That's the way that we show our love for God and the way that we love each other, the way that Christ loves us. Sometimes when we perform a work of charity or a work of justice or a work of goodness or service, we congratulate ourselves and we think we're doing God a favor. But actually, we're climbing that mountain of love that leads to God, to real happiness, to fulfillment, and to salvation. And that is what discipleship is about. It's about taking care of each other the way that the Lord wants us to. It's about making sacrifices out of love so that the mission of Christ can continue, the works of mercy and passing on the faith. Merci bien pour vos sacrifices et votre générosité. Seigneur,
nous la prier pour la paix dans le monde entier, et spécialement pour Haïti. On demande bon Dieu, toucher conscience dirigeant, plein cœur avec un pile remède, pour être capable de conduire le peuple là dans la justice, en nous la prière. Tout ça qui senti abandonné, à tout ça qui découragé. On demande bon Dieu, mettez sur la route les gens qui ont bon cœur, en nous la prière. Amen. Pour le développement de l'Église, là, en nous la prière. Par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de mon berger.
Les justes et bons de
entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Puisqu'elle a été baptisée à la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans le sein de la résurrection, et tous les humains de mes ennemis reçoivent-les de ta lumière. Celui tous enfants nous implorant ta bonté, aimé qui avec la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui avec nous dans l'amitié, nous ayant part à la vie éternelle, et nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Yeah.
ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
me manque et notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec moi pour l'éternité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vive et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, sois avec vous. Et avec vous aussi. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et toujours. Notre secours vient du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Allez, on appelle du